Od davnina pa do današnjih dana, vino je dokaz da nas Bog voli i da želi da nas vidi srećne. Zahvaljujući vinu, muze inspiracije rado i često pohode velike umetnike, prijateljstva postaju jača, razgovori opušteniji, a ljubavi vatrenije. Veliki Galilej je duboko verovao da je vino vrhunska alhemija koju stvaraju samo veliki majstori kada sunčevu svetlost zarobe u vodi. Kult vina ima svoju vanvremensku dimenziju i predstavlja najjaču kariku koja spaja mitove, religiju i kulturu. Njegova moć i slava su beskonačni, baš kao i načini na koji mu ljudi ukazuju poštovanje. Danas vas vodimo na tradicionalni sajam vina, koji dugi niz godina okuplja vinarije iz čitave Francuske i dovodi turiste sa svih meridijana u planinski gradić Bessin-Chandez, koji pripada departmanu Pied-de-Dom. Uske, strme ulice Bessin-Chandeza krase starinske kuće napravljene od vulkanskih stena, crne lave i bazalta. U regionu Auvernija ovaj gradić je poznat po svojoj nadmorskoj visini od preko 1000 metara i kapiji grada koja je u periodu renesanse imala jaku odbrambenu funkciju, a danas predstavlja kulturno-istorijsku atrakciju. Po lokalnom predanju, svako ko je hteo da uđe u grad morao je da prođe kroz troja vrata koja su bila upravno postavljena u odnosu na prethodni prolaz, što je u velikoj meri usporavalo kretanje i sprečavalo uljeze da izvedu brze napade na žitelje unutar gradskih zidina. U zidu ovog bedema postojali su otvori za strelce, dok se na samom vrhu nalazio prostor predviđen za branioce, koji su terali pljačkaše bacanjem kamene đuladi i polivanjem vrućom vodom i vrelim uljem. Bogati gradski krovovi, rađeni od teškog kamena, u velikoj meri doprinose nadimku ovog gradića, koji je poznat kao prestonica planina. Bessin-Chandez je tokom zime stecište ljubitelja skijanja, dok ga leti rado posećuju zaljubljenici u male gradske trgove, festivale i pijace, koji još od vremena renesanse na radost dece dovode lutajuće muzikante i lutkarska pozorišta, a na radost odraslih na ulice postavljaju šarene tezge sa božanstvenim vinima i ukusnim francuskim sirevima. Bonjour. Moi c'est Marco, enchanté. Voilà, Michel, domaine de Pierre Bel. Alors où c'est ça, Pierre Bel? Nous on est vigneron à Languedoc. Languedoc, ah. Languedoc, donc sud de France, Méditerranée. Vous avez l'accent. Donc ce sont des vins de soleil que nous proposons. Tiens, il arrive quand on en parle. Ah ouais. Donc nous pouvons vous faire découvrir le rosé de l'été, si vous êtes amateur de rosé. D'accord. Alors on travaille sur des Syrah Grenache. Ce sont des vins qui sont très... beaucoup bien sur le fruit, quoi, très festif. D'accord. Nous avons des blancs, donc nous avons trois blancs. Toute une gamme de rouges. Avec des vins souples ou des vins beaucoup plus puissants, style le Saint-Chinian. Une cuvée élevée en fût de chêne, donc c'est un assemblage chardonnay-vionnier, super sur les crustacés. D'accord. Voilà. Il reste combien de temps en fût de chêne avant que vous mettiez en bouteille? Un an. Ça suffit pour prendre bien les arômes. Il est vinifié et élevé en fût. Više od drugog, francusko vinogradarstvo je ostalo verno kvalitetnom tlu, obogaćeno vrhunskim tehnologijama. Iako se konkurentnost drugih zemalja u tom području ne dovodi u pitanje, Francuska ostaje nesporno najveći proizvođač velikih vina. Danas u svetu postoji konkurencija, ali se ona očituje u vinima srednje kategorije. Zahvaljujući površini vinove loze od skoro milion hektara i proizvodnji od 6 do 8 milijardi boca, Francuska je uz Italiju najveći proizvođač vina u svetu. Najznačajnije svetsko tržište vina je Evropa, od čega Francuska obuhvata čak 25% trgovinske razmene. Od francuske proizvodnje 35 miliona boca se konzumira na licu mesta, a 15 miliona boca se izvozi.
Više od polovine ukupnog francuskog izvoza čine takozvana vina kontrolisanog porekla. Pojam vina kontrolisanog porekla nametnuo se početkom 20. veka, nakon poljoprivrednih katastrofa i ekonomskih kriza. Te neprilike su prouzrokovale malverzacije, čije su prve žrtve bili vinogradari. Nakon teških godina oni se udružuju kako bi svim snagama odbranili svoje zajedničko dobro. Uspostavljanje jednog preciznog sistema kvaliteta vina u Francuskoj je bio težak zadatak. Uspeh sistema vina kontrolisanog porekla je očigledan, jer danas postoji oko 350 registrovanih i zaštićenih sorti u raznim francuskim vinogradima. Degustatori dele miris vina na aromu i buke. Aroma je svež voćni miris grožđa koji se osjeća u vinu, dok buke dolazi od fermentacije i starenja. Buke je puno kompleksniji i zreliji. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Marco. Moi c'est Jean-Luc Millet, Sœur du Brioux, voilà, à Sancerre. Alors c'est où Sancerre ? Sancerre, on est à 280 km de Besse, donc en direction de Paris, à 200 km du sud de Paris. Donc le vin de Sancerre, c'est trois couleurs, donc le blanc. Qui est le plus connu pour Sancerre ? Tout à fait. Le rouge qui est le deuxième plus en suivant et le rosé qui est des fois très peu connu parce que les gens ne savent pas qu'on fait du rosé à Sancerre. Voilà. Donc le vignoble de Sancerre, c'est 2700 hectares de vignes en production qui sont encépagés donc en Sauvignon pour le blanc, en Pinot Noir pour le rouge et rosé. Nous avons une surface de 14 hectares de vignes, voilà. Donc 3 en rouge et puis le reste 11 hectares en blanc. Voilà. Vous faites ça depuis que vous êtes tout petit ? Oui, bah, mais j'ai grandi aussi. Et j'ai un petit successeur qui est là, voilà. Celui qui voulait me faire goûter tout à l'heure. Voilà, donc je vous fais déguster du blanc 2009. Allez, on va ajouter ça dans l'ordre. Hein. Voilà. Donc dernière récolte de Sancerre blanc. Brulo poznato bello vino, Sancerre. Nemam šta. Mora, Pavle, da probaš. Ajde. Popri malo. Besançon-des je u srednjem veku bio bogat trgovački centar koji je kontrolisao trgovačke rute i prolaz između doline Alije i Dordonja. Jedan od simbola nekadašnjeg bogatstva grada jeste i zvonik kvadratnog temelja na čijem se vrhu nalazi osmougaoni toranj. Pravac vetra već stolećima pokazuje ukrasni vetrokaz koji simbolizuje glavu vuka, mitske životinje, koje u lokalnim verovanjima i folkloru simboliše hrabrost i snagu. Ulica, simbolično nazvana Mesarskom, budi najveće interesovanje ljubitelja priča iz starih vremena. Ona je i nakon revolucije zadržala originalni izgled, uska, popločana oštrim kamenjem sa drvenim kućama na levoj i kamenim kućama na desnoj strani ulice. Upravo ovdje se nalazi najveći broj izlagača vina, pršute i sireva, koji i ove godine doprinose bogatoj turističkoj ponudi i živopisnom šarenilu Besançon-desa. Imali smo prilike da probamo izvrsna vina proizvedena od celog grozda, veoma jake arome, čiji ukus dugo ostaje u ustima. Takva vina imaju visok sadržaj alkohola, koji ide i do 14,5%.
Moi, c'est Vignal André, je suis producteur dans la région des Côtes-du-Rhône. La région des Côtes-du-Rhône qui est vaste, en fait. Qui est vaste. De Lyon. Et qui va jusqu'à Avignon. Ouais. D'accord. Donc, nous sommes sur la rive droite du Rhône, entre Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit. Alors, on pratique une vinification en raisin entier, c'est-à-dire on vendange manuellement et on dépose le raisin entier dans la cuve. Il y a une fermentation intracellulaire dans le raisin. Ça donne donc des vins qui sont très aromatisés, qui restent bien en bouche. Hein. C'est un peu particulier, naturellement. D'accord, on est à 13 degrés 5, un peu comme... Oui, 13 degrés 5 à 14 degrés 5. Ah, vous faites des vins qui montent comme ça. Et en 2009, on bat les records, on est à plus de 16 degrés. Naturellement, Naturellement, sans ajout. Très bien. Ouais, ouais. Et on donc, j'imagine que vous êtes né dans les vignes, pratiquement. En effet, oui, en effet. On est dans les vignes et maintenant, je devrais avoir l'âge de la retraite, mais enfin, on continue toujours de travailler là-dedans. Et vous m'aviez dit que vous êtes un habitué... Oui, ça fait 21 ans qu'on vient à Besse. D'accord. C'est une foire qui est très sympathique, les organisateurs aussi, alors donc, ça fait plaisir de... On est pas mal en Auvergne aussi. Voilà. Takva vina mogu da se čuvaju i do 10 godina, ali u strogo kontrolisanim uslovima i podrumima koji imaju stalnu temperaturu oko 12 stepeni Celzijusa, koji moraju da budu potpuno zamračeni sa stalnom vlažnošću vazduha i dobrim sistemom ventilacije koji sprečava pojavu plesni. Stolna vina odgovaraju onome što se nekada zvalo vino za svakodnevnu upotrebu ili obično vino. Evropsko zakonodavstvo im određuje minimalni alkoholni stepen od oko 9% u zavisnosti od geografskog porekla. U toj kategoriji se ubrzo razvijaju regionalna vina kojima je cilj da se vina dele u zavisnosti od mesta njihove proizvodnje. Danas nacionalna vina predstavljaju polovinu svih stolnih vina, a ona opet predstavljaju polovinu sveukupne berbe. Regionalna vina naglašavaju vrste vinove loze iz kojih su proizvedene. Taj tipično francuski način potvrđuje važnost porekla u odnosu na vrstu loze, nasuprot drugim vinogradarskim zemljama koje smatraju da vrsta loze predstavlja najvažniji element koji razlikuje vina. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Marco. Moi c'est David. David, donc je vois que vous avez... Oui, moi je suis viticulteur donc dans le Saint-Émilionnais, donc la région bordelaise. Voilà. Le fameux vin de Bordeaux en France. Ben oui, vraiment la première région viticole française. Hein. On est maintenant très connu. Et Saint-Émilion d'autant plus. Et Saint-Émilion d'autant plus. C'est vrai qu'on fait partie des têtes d'affiche des vignobles bordelais, hein, avec Pomerol, avec Margaux, entre autres. C'est vrai que Saint-Émilion c'est tout petit. 5000 hectares sur plus de 100 000 pour le vignoble bordelais. Mais c'est vraiment voilà, un des fers de lance des vignobles bordelais. Très bien. Et alors, c'est du vin qui se garde, c'est du vin... Oui, voilà. Saint-Émilion, c'est un vin de garde par excellence. Alors, suivant les millésimes, on peut aller d'une dizaine d'années à plus de 30 ou 40 ans. Et je vois qu'on est à 12 degrés 5, voilà. Donc c'est un vin qui n'est pas non plus très très fort. Non, c'est vrai que Saint-Émilion, en général, on n'a pas des vins très alcoolisés. Mais on sent ces dernières années, avec peut-être l'effet climatique, et puis avec le travail que l'on pratique à la vigne, de les feuillages, des vendanges vertes, parce qu'on passe dans l'été sélectionner les grappes, avoir une tendance à avoir des degrés beaucoup plus importants. Navođenje porekla je još važnije za vina kontrolisanog porekla. Ona preciziraju vinogradarsko područje, vinovu lozu, način obrade loze, vinarske tehnike i kriterijume njihove različitosti. No osim u slučaju Alzasa, imena vrste loze ne smeju da se nađu na etiketi.
Navedeni sistem vina kontrolisanog porekla je osnovni stup sistema francuskog vinogradarstva, kojeg očito priželjkuju mnoge druge zemlje. Kada se govori o francuskoj proizvodnji vina, treba spomenuti i kvalitetna vina i vina koja nose imena poznatih dvoraca. Kvalitetna vina su razvrstana prema najpriznatijim područjima koja daju jako specifična vina. Najčešće ona zahtevaju nekoliko godina starenja u bačvi, zatim u bocama, da bi tek kasnije doživjela svoj vrhunac. Ona su doprinela slavi velikih francuskih vina. U Burgundiji visoko kvalitetna vina i vrhunska vina su u vlasništvu nekoliko vinara. U regiji Gironde kvalitetno vino je u vlasništvu jednog vinara. U Château Lafite Rothschildu postoji čuveno vino, čija se loza prostire na 100 hektara i u vlasništvu je jednog vlasnika. Upotreba imena Château ili dvorac može da se odnosi samo na vina kontrolisanog porekla. Što se tiče vina proizvedenih u zadružnim podrumima, potrebna je potvrda da upotrebljeno grožđe potiče isključivo iz određenih vinograda. Konačno, treba spomenuti vina zaštićenog imena, no njihova mala proizvodnja je namenjena ciljanim tržištima i ne dopušta im mogućnost da postanu svetski poznata. U Francuskoj svako vino ima svog idealnog partnera u obliku sira. To se može vidjeti i na okolnim tezgama koje nude široku paletu tradicionalnih sireva. Podjednako je široka i paleta aroma koje se nalaze u sirevima. Tako recimo sir Conte može da ima aromu cveća, putera, brioša, baš kao i određena bela vina. Upravo zato, za neka vina Francuzi kažu da imaju aromu šumske flore, šampinjona ili cveća i po tome određuju savršeni spoj sa sirevima. Notre spécialité, c'est donc le Comté, c'est les fromages de Franche-Comté. Quelle est la particularité du Comté? C'est un fromage qui est pressé? Alors, c'est une pâte pressée cuite. C'est des fromages qui font entre 35 et 40 kilos. Alors pourquoi des si gros fromages? Parce que déjà il faut pour faire un fromage de comté il faut à peu près 450-500 litres de lait. Alors si on remonte très loin dans les. C'est-à-dire que le principe c'était de fabriquer un fromage pour que les paysans puissent passer tout l'hiver avec. Donc c'était donc des fromages déjà de certainement plus petits que ceux qui sont faits maintenant. Mais des fromages qui étaient déjà de format assez imposant. Donc le principe c'était ça, de pouvoir passer tout l'hiver avec ces fromages. Du coup, il y a un principe de garde, d'affinage du fromage. Donc voilà, tout à fait. Donc c'était des fromages qui étaient bien souvent faits pendant la période d'été, ou période de printemps. Et donc ces fromages, le temps d'affinage, donc les gens l'utilisaient pendant toute la période d'hiver. Alors c'est un fromage bien sûr qui se cuisine, parce que bon. La recette traditionnelle, c'est la fondue. Mais c'est un fromage qu'on peut utiliser dans des centaines de recettes, déjà ne serait-ce que pour gratiner des plats. Pourquoi pas avec une coquille Saint-Jacques. Si vous voulez, les arômes qu'on trouve dans le comté, c'est les arômes qu'on va trouver dans le vin. Da li vam je poznato da će čaša za šampanjac proizvoditi više mehurića ako unutrašnji zidovi nisu sasvim glatki, jer neravnine pomažu oslobađanje ugljen dioksida? Šampanjac predstavlja karakterističan primjer vrlo poznatih vina zaštićenog imena. Pokrajina Šampanj daje vina jedinstvene oznake porekla, a sama vina se međusobno razlikuju vrstom loze i područjima na kojima su loze zasađene. Osim različitih vrsta vina, svaki proizvođač proizvodi svoja vlastita vina zaštićenog imena.
Čuvena Madame Pompadour je svojevremeno izjavila kako je šampanjac jedino vino posle koga žena postaje lepa. Ovdje smo također saznali da je u 19. veku bila česta pojava da flaše sa šampanjcem eksplodiraju, pa su radnici u podrumima nosili zaštitne maske. Brzina čepa od šampanjca je 13 metara u sekundi, pa pripazite kako usmjeravate flašu dok je otvarate. Vous faites du champagne? Oui, je suis producteur de champagne. D'accord. Donc tout au sud de la Champagne, dans la région d'Hérissé. L'Hérissé qui est le plus grand terroir de Champagne. D'accord. Parce que pour avoir l'appellation Champagne, en fait, il faut faire partie de la zone appellation Champagne. D'accord. Donc ce sont des parcelles très déterminées qui sont inscrites à l'INAO, donc alors, l'Institut national des appellations d'origine. Voilà. Et alors qu'est-ce qui fait le champagne, pourquoi il bulle, pourquoi... C'est le raisin qui est pressé, le jus naturellement pétille en fermentant. Voilà. Très bien, et c'est un rayonnement international, c'est bien un peu sûr, une... Le champagne est connu dans tout le monde. D'accord, on lui attribue des vertus euphorisantes. De nombreuses vertus, il y a des livres qui sont sortis sur les vertus du champagne justement, médicinales si on peut dire, et puis... Surtout le plaisir, je pense. Oui, c'est vrai que c'est lié au plaisir. On peut peut-être goûter quelque chose. Je vais vous faire goûter du tradition. Donc. Parce qu'il existe du brut. Alors, le brut, c'est du brut. Brut tradition. Donc, ici, vous avez le cépage pinot noir. Parce qu'on a des cépages un peu comme dans le vin, enfin dans les vins alors, classiques. Trois cépages autorisés en Champagne. Le pinot noir, qui représente la majorité... des plantations en Champagne, le chardonnay qui est un raisin à peau blanche et le pinot meunier qui est un raisin à peau noire comme le pinot noir. Très bien. Voilà. Ben, goûtons ça. Oh, une belle flûte avec des belles bulles. On vous souhaite une bonne santé. Chin. Dom Perignoni je bio monah za koga se smatra da je izmislio šampanjac. No, kao i sve sjajne stvari u svetu, otkriće je bilo potpuno slučajno, jer je on zapravo želeo da napravi vino koje će biti ravnopravan rival Burguncu. Roquefort sir se čuva u takozvanim prirodnim podrumima. To su zapravo pećine koje su preuređene i imaju police od drveta za čuvanje i odlaganje sireva. Drvo je isključivo hrastovo. Sir se odlaže, okreće više puta tokom procesa zrenja, koji može da traje i do 9 mjeseci. Le Roquefort c'est un fromage au lait de brebis et qui est né d'une légende. Alors il y a des centaines d'années, un berger avait fait un fromage au lait simplement, un petit ferrail, et il était en train de manger, il mangeait ce fromage avec du pain. Et puis passe une bergère, et il se met à courir derrière la bergère, il oublie le fromage, il était dans une grotte, il s'était abrité de la pluie, il oublie le fromage dans la grotte, et il court derrière la bergère et puis il tombe amoureux de la bergère, il revient 15 jours après et il voit son pain qui avait moisi et le fromage qui était délicieux avec le moisi à l'intérieur. D'accord. Et de cette légende est né le Roquefort. Alors maintenant on prend du fromage, du caillé de brebis, on fait cailler le lait, on traie les brebis, on fait cailler le lait, on met cette moisissure qui est faite à partir du pain qui s'appelle le Penicillium Roqueforti. Et on le laisse dans les caves de Roquefort. Les caves de Roquefort, c'est des éboulis. Et on le laisse mûrir pendant un mois. Et au bout d'un mois, on sort le Roquefort et on l'affine encore quelques temps. On le tourne, on le sale, on l'affine et on le déguste après. Alors, si on aime le Roquefort moelleux et un petit peu fort, on va l'affiner pendant 9 mois. Et si on aime le Roquefort un peu plus sec, on va l'affiner pendant 2 ou 3 mois. Voilà. Zanimljive priče o vinu,
U gradiću Besenchandez zapravo svedoče o načinu života i vjerovanjima Francuza od pre više stoljeća. Tako smo saznali da su se ovdašnji vinogradari bavili egzorcizmom i sličnim vrađbinama pre nego što su se dosjetili da se protiv filoksere, gljivice koja je opustošila evropske vinograde u 19. veku, bore kalemljenjem. Do današnjih dana se zadržao običaj da se svake godine u Francuskoj objavljuje datum službenog početka berbe, a pre toga se ne sme započeti s branjem grožđa. Ovo je zemlja u kojoj se tradicija čuva, poštuje i slavi, a vino smatra umetničkim delom. Tokom festivala vina u gradskoj gotičkoj kapeli bila je u toku izložba slika. Za sam kraj ovog putopisa posvećenog vinu sačuvali smo legendu koja potvrđuje vjerovanja o božanskom poreklu vina. Naime, do epohalnog otkrića da se kvalitet grožđa povećava redovnim podkresivanjem loze, došao je u 4. veku biskup od Tursa. Njegov magarac je ostavljen bez nadzora, pojeo deo vinograda, nakon čega je vinova loza proizvela kvalitetnije grožđe. Nakon njegove smrti, biskup je nazvan Sveti Martin i postao je zaštitnik pijanaca i boema.